Martin, le manipulateur. Jimmy en avait vraiment marre de Martin. Celui-ci était pourtant son meilleur ami. Et ce, depuis de nombreuses années. Mais dernièrement, Jimmy avait commencé à douter de Martin, pensant qu'il le manipulait. À chaque fois qu'ils se retrouvaient tous les deux, Jimmy avait toujours cette impression que Martin l'obligeait à agir, ressentir et penser d'une certaine manière. Quand ils se parlaient, Jimmy avait toujours l'impression de simplement dire les choses que Martin voulait entendre. Cela a duré des années, mais les choses se sont aggravées, au point que Jimmy avait senti qu'il n'y avait plus aucun libre arbitre quand Martin était dans les environs. Jimmy voulait être libre, libre de dire ce qu'il pensait vraiment à Martin, mais il n'avait jamais eu le courage de le faire, jusqu'à ce jour fatidique. Jimmy, dans un accès de rage, avait levé le majeur au visage de Martin en lui criant « Va t'y refoutre! J'en ai marre de me faire manipuler !» Les adultes du public avaient couvert les oreilles de leurs enfants, choqués par ce qu'ils pensaient être un spectacle tout public. Martin, le ventriloque, lui, était absolument terrifié.